Que pensez-vous des actions qu'on mène sur le territoire cagnois depuis 2009, liées aux économies d'énergie, aux économies d'eau, à la réduction des déchets, et des actions qui sont reprises aussi dans l'agenda 21 et qui ont tout leur sens pour Cagnes-sur-Mer et aussi pour Azur-Alaï? Vous vous inscrivez dans une démarche extrêmement vertueuse. Le rapporteur du Grenelle 2 que j'ai été au Sénat, était extrêmement heureux de travailler avec une société comme vous, parce qu'il y a deux qualités. La première, c'est que vous êtes des jeunes et que vous vous lancez, et la relève de la société, c'est des gens comme vous. Deuxième, c'est que vous avez amené incontestablement une innovation dans ce domaine. Alors, c'est vrai, je vous l'ai dit, hein, quand vous avez débarqué dans mon bureau la première fois, c'était peut-être même en 2008 d'ailleurs, bon, eh bien, j'ai vu des jeunes qui arrivaient et qui me disaient, voilà ce qu'on peut faire pour améliorer l'environnement. Je reçois beaucoup de monde, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une forte motivation, j'ai trouvé que vous étiez déterminés et que vous ameniez quelque chose que je trouvais intéressant pour l'évolution de la société. J'ai fait confiance. Je ne me suis pas trompé et j'en suis heureux. Les résultats que vous obtenez en 3 ans, notamment sur les consommations de 600 foyers ici à Cagnes, où on a été, si j'ai bien compris, grâce à vous, hein, les pionniers, eh bien, c'est de l'ordre de plus d'1 million d'euros d'économies. Ça ne se discute pas. Ça, ce sont des chiffres et ces chiffres sont remarquables. Parce que 1 million d'économies sur 600 foyers en 3 ans, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce sont de vraies économies. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des articles dans les journaux, c'est une réalité. Alors, pour la précarité énergétique, qui touche, en plus dans une période de crise où on a de très nombreux Français et de Cagnois, moi j'ai 18% de gens en plus aujourd'hui au Resto du Cœur. Donc on voit bien que cette précarité énergétique touche une partie, en tous les cas, de la population. Le travail que vous faites est un travail, là aussi, très vertueux. Et donc ces économies d'énergie qui empêchent en rien le confort identique, hein, bon, qui permettent justement d'avoir moins de précarité énergétique. Tout ce que vous faites dans ce domaine, également le traitement des déchets et autres, fait que vous vous inscrivez pour moi comme une entreprise à la fois citoyenne, jeune et pionnière. Ça, ce n'est pas des emplois d'avenir, plus ou moins factices ou virtuels, c'est de vrais emplois. Ça, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez aujourd'hui 3 emplois et que vous en créeriez 6 demain. Voilà ce que c'est qu'une entreprise pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Merci beaucoup. Voilà. Merci.